sûr que le tuto que j'avais fait sur Singularity il y a un an ou un peu plus d'un an, je sais plus dessus, c'était justement pour vous mettre l'eau à la bouche, de vous montrer que construire une image Singularity, c'est somme toute assez simple à faire. Après, c'est vrai que voilà, c'est comme un shell, hein, enfin c'est comme un script. On exécute notre image Singularity et on a un output qui sort comme un script bash, hein, ou comme un Python, ou comme n'importe quoi. Donc, dans le wiki, vous avez une page qui est dédiée à Singularity. Hein, dans le menu gauche, vous verrez où tout est à peu près expliqué. On avait fait aussi une présentation lors de la rencontre avec les utilisateurs il y a à peu près un an. Ouais. Oui, mais c'était justement cette session mise de l'eau à la bouche et qui m'a ensuite amené sur votre wiki, qui m'a permis de démarrer quasiment instantanément, mais avoir une petite séquence, cette petite séquence de présentation, tutoriel guidé, même si elle est courte, qu'on le fasse dans une prochaine session un peu toute partagée ou si vous la préenregistrez dans vos studios en amont, c'est quelque chose qui sera intéressant, je pense. Ça montre que c'est très simple, comme tu disais, hein, Ludo. Moi, je pourrais ne faire que refaire voilà, ce qui est marqué là dans le wiki, hein, comme Cécile l'a fait. Hein. Cécile a réinventé la roue tout à l'heure. Hein. Elle a repris le Non, non. wiki et elle a fait un CP machin et un Q-sub truc. Et voilà. Hein. Donc, moi, pour Singularity, je peux le refaire, mais ça ira pas plus loin que ce qu'on a mis dans le wiki, parce qu'il n'y a pas, il n'y a pas lieu d'abord, je pense pas. Vraiment Parce impeccable. qu'après, on rentre dans la spécificité de vos besoins propres, quoi. Après, voilà, je lance un Q-sub de logo et puis il va vous afficher le petit message du joueur avec une petite vache. Mais c'est juste pour vous montrer, voilà, ce qu'on est capable de faire sur Most. Peut-être, Alex, on peut-être avoir une tentative entre nous, en ayant laissé un peu de temps, d'une part, pour avoir pratiqué déjà ce qu'on a vu aujourd'hui, et d'autre part, peut-être d'avoir posé les bonnes questions sur ce qu'on met dans une boîte Singularity pour un ensemble d'utilisateurs, par exemple. Oui, typiquement, il Mais faut. par contre, je pense qu'une session commune, c'est aussi une manière de se forcer à progresser. On a en plus plusieurs stagiaires en ce moment qui sont susceptibles de faire ce genre de choses. Donc, autant ne pas attendre septembre où on sera sous l'eau de la rentrée et de continuer à battre le fer quand il est chaud, là, peut-être d'ici une quinzaine de jours avant qu'on soit tous définitivement partis, sauf ceux qui sont d'astreinte. Non, mais ce qui est intéressant, c'est que les gens se familiarisent un petit peu, enfin ceux qui n'ont pas encore utilisé Must, qui soient déjà un peu à l'aise avec les commandes pour que justement on puisse rediscuter, voir s'il y a des points particuliers à détailler et puis parler de Singularity, effectivement. Oui, moi j'étais aussi, c'est Frédéric, dans cette optique-là, en disant il peut y avoir des. C'est pas un tutoriel inversé, ça serait pas. Mais que surtout pour des nouvelles applications comme le traitement d'image et la partie visualisation, que si vous avez soit un succès, effectivement quelque chose qui coince et qui mérite réflexion, adaptation ou plus, qu'on se fasse des petites séances où c'est à ce moment-là l'utilisateur qui vient vers nous. On n'en fera peut-être pas un tuto, mais on peut avoir une séance d'échange qui nous permettrait de prendre la mesure des succès que vous allez avoir avec Must ou éventuellement des difficultés. Une espèce de classe inversée, quoi. Enfin, Oui, ça c'est pas bête. Bon. Bah, du coup, il faut voilà, que les intéressés potentiels démarrent, commencent à maniper. oui, bien sûr. Et donc là, on a déjà les éléments.